En revanche, il n'y avait pas Madame Mascaron. Madame Mascaron, qui elle va devenir la dame de maintenant, la dernière, et la femme morganatique du roi. La veuve Scarron a élevé les enfants de Madame de Montespan. Et elle en a eu pas mal, elle en a eu, je ne sais pas, 6 ou 7. Et donc c'est Madame Scarron qui a élevé ses enfants, et ensuite qui est devenue la favorite, la dernière favorite. Voilà, parce que, voilà, et puis qu'elle les a aimés, elle a été, comment dire, calme. Après tout ce qu'avait vécu le roi, et puis le roi, il s'est assagi, il les emmenait, il commençait à se faire gronder quand même, hein, donc le diable se fait ermite à un moment donné. Donc ça a été la dernière favorite, et d'ailleurs la cour ne l'appelait pas Madame de Maintenon, elle l'appelait Madame de Maintenon. Excusez-moi.